Troisième, succès de la saison pour Nîmes qui s'impose avec autorité 31-25 face à Dunkerque lors de cette quatrième journée de Lidl Star League. Un bon coup que les hommes de Franck Maurice ont su bâtir progressivement face à des nordistes invaincus et mieux classés. Dès les premières minutes, dans leur Parnasse surchauffé, les locaux ne font aucun complexe et Gallego donne le ton. USDK est dans le coup et Anotel stoppe ce contre. Derrière, ses partenaires font le job en attaque via Pelayo, 5 buts, 6-6 à la 11e. La Green Team va alors s'offrir une grosse séquence au cours de laquelle elle va passer un 8-4 à ses visiteurs, dont ce superbe but en mouvement conclu par Gallego, 7 réalisations. Les Gardois jouent fort et font même le show avec ce superbe kung-fu entre Gallego et Sanad, 14-10 à la 25e. Avant la pause, les Nordistes vont se refaire plus tranchants, mais Desbonnets préserve l'essentiel, 15-13. À la reprise, Nîmes continue d'envoyer du jeu avec ce nouveau super kung-fu entre Sanad et Robichon. Mais c'est Dunkerque qui fait meilleure impression, Nieto et ses partenaires vont même revenir à 19-18 à la 38e, après ce nouveau missile longue distance de Garin. La suite sera moins florissante pour eux puisque les autres vont leur infliger un 6-0 qui fera basculer le match. Graham aura beau retarder l'échéance, l'affaire semble ne plus pouvoir échapper à Nîmes. La fin de match le confirme avec un Robichon insolent de réussite avec 7 unités. La Green Team passe devant les Maritimes et occupe la 5e place avant d'aller à Saint-Raphaël. Les visiteurs restent dans la première partie de tableau et accueilleront Nantes en J5.